Alors je disais Druide OTK, je pense que malheureusement c'est probablement pas loin d'être impossible, mais on va essayer, hein. On a les nuts, mais malheureusement, je pense que même les nuts, ça gagne pas ce match-up, hein. Ah bah, on va essayer. On va essayer d'agresser et voir si on arrive à rentrer suffisamment de dégâts. Potentiellement, on force un swipe, du coup, on peut ressusciter. Into Dessinatrice, on ressuscite, on re-ressuscite le tour d'après. On va tenter. Honnêtement, je vais juste mettre la tempo au maximum là. Je sais qu'il a du spell power et tout, mais j'ai Dessinatrice pour ressusciter les Mohawks, donc je pense que là je suis juste parti, faut que j'arrive à forcer les swipes, les trucs comme ça. Pas l'air d'avoir de swipe pour l'instant, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Oh, ça gèle et tout! Oh là 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 là, incroyable! Ça cherche le swipe toujours. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Merci Frappe Tonnerre pour le 28e mois. Ah, on pioche la dernière fin de partie. Ah, ça c'est dur par contre. Du coup, plus de value sur la dessinatrice. Ok. Bah, de toute façon, on va raise les deux. Et on va commencer à faire des corpsicles, hein. La Tron, c'est quand même une carte qui est d'un niveau d'illégalité rare. Hein. La 3-4 pour 0, genre, c'est. C'est quand même vraiment nimp. Hein. Et elle était 3-5, elle était 3-5. Hein. C'était pourtant plus fort avant. Eh oui. Il a quoi? Il a une Innerve? Innerve swipe? Non? On file de l'eau encore. Bon, il dépense tout son burst. Pour évidemment pas me donner le serpent. Alors, je peux
Drake. On fait gel. Drake. Surfer. Glas. Face. Okay. On sait que les calices sont vraisemblablement dans la main. Ok, il y a calice sans concierge. Donc c'est juste calice pour board clear. Pour l'instant c'est létal. Hein. Juste serpent glace et létal. OMG, alors peut-être. Incroyable. Très stylé, très stylé, très stylé. Tous. Truc intéressant avec le démo DK, c'est que l'adversaire ne voit pas tes cadavres. Jusqu'à ce que le touriste apparaisse, l'adversaire ne voit pas tes cadavres, je crois. Mais une fois que le touriste est apparu, t'as un compteur de cadavres qui pop, me semble-t-il. Par le code, bien sûr, bien sûr. Guerrier. Le problème, c'est que je suis descendu trop bas. Maintenant, je vais commencer à attaquer des wars. C'est une terrible nouvelle, ça. On a le mineur. La combo amalgame du DK a été nerf. Elle a changé en tout cas, ouais. Ok, on a le Mohawk, très bonne nouvelle. Allez, gestion, gestion. Let's go. Bon, let's go. 1 sur 2. Allez, allez, allez. J'ai du mal à voir comment je vais me dépêtrer des Iliax quand même, mais je suis curieux, donc j'attends de voir. On va ressusciter des vripoints en boucle de toute manière. La question devient, est-ce qu'on essaye de poser Invocateur Sombre Moelle là? Juste on le drop et on voit ce qui se passe. Non, ça sert à rien en vrai. En fait, le mieux, c'est plutôt de le mettre une fois quand on a un vripoint sur le board, mais que le vripoint est pas mort, quoi. Faut le sucer, ouais, mais le problème, c'est que je peux pas sucer suffisamment, je pense. Tu peux juste le tuer avec le serpent? Bah, je pense pas que je puisse faire 5 serpents, quand même, dans une game, si. Merci Siri pour le prime. Enfin, je veux bien essayer, mais ça me semble impossible en vrai. Ok, lance gemme. Là, il y a Ziliax normalement.
je suppose, du moins. Il y a Ziliax, puis deux Ziliax. Rien que ça fait déjà peur, hein. Oh, un rat. Pitié l'invocateur qui survit. Ça serait très drôle. Là, dommage. Ah non, c'est le pire! Du coup, j'ai rien à raise. Ah, c'est terrible! Du coup, mon élève des marais, en plus, me donne pas le... me donnera pas la raise de Moargue si je fais un sort ici. Question, du coup, c'est est-ce que je fais glas à la crème? Quand même? Je pense que oui, hein. Faut que j'arrive à tuer, hein. On sait jamais, peut-être qu'il invoque pas son Ziliax avant le T9, hein. S'il invoque pas son Ziliax avant le T9, il est rect, hein. Si c'est un Highlander, il y a d'assez bonnes chances qu'il invoque pas son Ziliax avant le T9, même. C'est vraiment pas si peu probable, hein. Ok. Pas si je devais lance gemme là. Faire la double res, c'était fort. Peut-être que le tour, c'était genre pierre vivante, glas, lance-gemme, un truc comme ça. Je sais pas trop. Et là, s'il fait juste Ziliax, j'ai l'étal, c'est ça, hein? Ah, qu'il va pouvoir faire un autre truc pour se gagner des PV à côté. Non, c'est bon. Guerrier, à chaque fois j'ai peur et à chaque fois au final on les casse en deux. Hein. Il faut juste que j'arrête d'avoir peur de War, ça fait rien War. Le troc, quelle carte de con quand même. Bah pour moi dans ce genre de deck il est à peu près fair. C'est-à-dire que... Tu peux pas genre clean le board pour 0 puis Trog ou avoir 16 de mana puis Trog. Genre juste tu gagnes du mana par incréments normaux. T'as des manières de clear le board qui coûtent du mana. Donc tu dois avoir du board si tu veux clear le board adverse. Moi Trog devrait fonctionner comme ça. Le problème c'est Trog avec de la triche à côté, c'est débile. Mais pour moi le problème c'est pas dans l'absolu, c'est pas forcément Trog, c'est ce qu'il y a à côté. Oscillateur basse fréquence, si jamais on récupère un petit Morgue, ça serait cool.
Encore un tréant? Pas de tréant, ok. Fumée épaisse. Pas grand chose à jouer pour l'instant. Deuxième fumée épaisse. Donc là, très souvent, c'est juste la tour, hein. La tour, et pas n'importe quelle tour. Une tour maléfique. Ce match-up m'inquiète, hein. Parce que quand les géants vont commencer à tomber, je vais juste jamais pouvoir les gérer. Je vais devoir les geler et espérer tuer. Et ça me réjouit pas du tout comme perspective. Ok, on a la fin de partie qui est là. Qui est là x2 d'ailleurs. Aïe. 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 Je suis pas mort on board. On peut poke avec Popgar, Tonneau, trade avec la tour, du coup je suis à 4 là virtuellement. Je suis à 6, pardon. Alors je peux geler deux serviteurs, en tuer un. On a bien envie de mettre le tatou quand même, hein, je pense. Je peux gel. Attendez. Ça arrive forcément, je pense. Ça se met pas si bien que ça. Je peux pas tatou là. Je peux juste faire Iliax fumé. Hein. Est-ce que c'est ok ça? Il est obligé de trade là. Du coup, il a que 6 dégâts sur le board. Après, il peut avoir la gestion sur la 4-5 avec des cartes de sa main. Là. Il peut le mettre en prison potentiellement par exemple? Non, okay, il a pas la prison. Ok, infernal du coup ici. Je suppose. Monsieur Horizon dans un deck druide OTK, c'est obligé. Oui, sinon tu peux pas jouer les cartes mages. Donc c'est plus que nécessaire. Ça manque ouais d'une petite
Quitte à eux pour clean un peu tout ça, quoi. Parce que je peux serpent tatou, mais je suis mort. Retournement de table. Ouais, retournement de table, je pense que c'est compliqué. Ce serait compliqué à mettre en place avec ce deck, mais. Après, faut juste accepter aussi qu'il y a certains match-up qu'on va juste perdre. Hein. Domino? Ouais, je sais pas. Domino, c'est quand même. C'est des bonnes cartes mortes dans plein de match-up actuellement, tout ça, quand même. Hein. Je vois pas ce qui peut m'aider là-dedans, mais on sait jamais. Faut surtout se demander quel match-up on gagne. Bah pour l'instant, là, on a battu War, on a battu Druid, ce qui est déjà pas mal. Hein. Le problème, c'est ouais, c'est réussir à board clear un peu en early, quoi. On est un deck tempo fondamentalement, mais pas si tempo que ça non plus, quoi. Pas de druide, pas sûr que ce soit une constante. Non, effectivement, je suis pas sûr non plus, ouais. Il y a peu de decks qui peuvent se targuer de constamment battre druide, je pense. C'est pas problématique de pas tuer avant le tour 7. Y a pas tant de decks que ça qui tuent régulièrement T7 actuellement. Y a druide et. Enfin, en termes d'OTK, hein, je parle. En termes de deck de pression, juste de deck aggro, il y en a évidemment. Parce que c'est leur but fondamental depuis 10 ans. Mais de deck pseudo burn comme ça. Pas tant que ça, mais il y a Druid qui tue T7, quoi. C'est un peu le seul, hein. Il est un peu tout seul dans sa niche actuellement. On peut s'inscrire à votre tournoi, bien sûr, point d'exclamation GP, comme d'hab. Comme d'hab. Après, tu peux aussi directement aller récupérer le tournoi sur Battle 5. Tu as 1000 options, faut juste que tu t'inscrives d'une manière ou d'une autre. Paladin peut tuer tour 6? Oui, mais le deck est nul. Du coup, c'est pas trop un problème, on va dire. Pourquoi il n'y a pas démo Ourobos? Où ça? Dans la game J'ai besoin de précision là. Dans le deck? Parce que je m'inflige pas de dégâts. Si c'était ça la question. Bon, pour le coup, il n'y a vraiment aucune raison de jouer Ourobos dans ce deck, ouais. Ah, malheureusement, je pense qu'on sera pas allé. On ne sera juste pas du tout allé assez vite hein, ici. Et on pioche le dernier endgame, ça c'est pas cool du tout. Parce que du coup il n'y a plus rien sur Dessinatrice. Ok, ça c'est décent potentiellement. Ce n'est pas vous qui choisissez la baguette. C'est la baguette qui vous choisit.
sais pas pourquoi, mais le flip-flop me dégoûte plus en 3-2 pour 2. Ah, il est moins fort, hein. Plus ou plus? Embêtante cette faille. On va gel dame, hein, je suppose. Je peux mourir assez facilement, mais... fait d'avoir Ziliax, c'est peut-être une bénédiction, là. Hein. Potentiellement, on va voir. Alors, est-ce qu'il y a des swipes? Il y a au moins un swipe. Il y a des calices, ok. Bien visé ça. Alors, tu me diras, c'était à peu près sûr qu'il allait le gérer dans tous les cas. Mais... et il y a le deuxième calice, c'est ça? Parce qu'il hésite. Ah, il a dédoublé calice en fait. Pas une bonne nouvelle ça. Malheureusement, je peux tout juste pas Ziliax, hein. Ça se met trop mal les trades avec, avec Jerry là. Me demande si je dois pas juste attendre un peu. Le problème c'est quelles sont les chances que je survive quoi. Il n'y a pas forcément de spell power sur ce tour. Du coup, faut que j'essaye de tanker comme ça. La version dragon OTK, elle OTK quand même beaucoup moins stablement, quoi. Parce que l'autre, il y avait plus de pioches, etc. Donc, mais celle-ci est juste plus résiliente à l'agression, je suppose, parce que c'est ta faille et des trucs comme ça. C'est assez intéressant. Ok, Monsieur Horizon. Et Monsieur Horizon a l'air d'avoir beaucoup moins d'impact aussi dans ce deck-là. Ce qui veut pas dire qu'il en a pas, mais... fuck. Ok, donc il y a 3 calices qui vont être joués. Ok, donc si Monsieur Horizon arrive à son terme, ce sera lose. Parce qu'il aura tellement de calices que on n'en reviendra jamais, je pense. Il y a juste de fortes chances que je sois mort maintenant en réalité. Hein. Je sais pas. Je sais pas si c'est des calices ou si c'est des swipes, mais dans les deux cas, je suis mort. Ah, il a dupliqué. Ok, d'accord. Il a dupliqué calice avec ça. Du coup, il fait élève qui redonne calice, autre élève qui redonne calice, spell power, 6 calices, ce qui fait 18, et j'ai que 14 là sur le board.
Ou pire que ça, il a juste swipe dedans. Ouais, il a juste swipe dedans. Okay. Enfin, pire, non, c'est pas pire, c'est moins de dégâts. Mais... Okay. Il y a quelque chose, druide, hein. Monsieur Horizon donne des calices après leur réapplication. Ouais. En fait, si t'as cast l'entièreté d'un calice, Monsieur Horizon il va cast donc 3 calices, plus il va t'en redonner un avec 2 utilisations et un avec une utilisation. Ce qui est très fort. Compliqué ce démo au dé, tu t'acharnes, ça va, on est à 2-2. Je veux bien qu'on s'acharne pas trop sur les decks, mais bon, à 2-2, ça va, on peut jouer quand même. Hein. On s'autorise encore à jouer normalement. Si on n'est pas à 20-0, c'est nul, c'est ça? C'est fort ça, hein, comme top deck. Enfin, ça dépend de ce qu'on pioche, mais la plupart du temps, c'est fort. C'est fort ça, comme top deck. De 2, j'avais vu pire que ça, t'as fait des modifs. Bah, j'ai modif plein de trucs sur le deck, et ensuite, on a fait 2 victoires, une ou 2 défaites. Aussi simple que ça. On a fait des modifs, perdu une game, fait des modifs, gagné 2 games, perdu 2 games. L'historique de mes parties avec ce deck. On trade tout ici parce qu'on a peur du carnage mécanin. Hein. J'ai eu tout. On va juste piocher plein de cartes. Pas qu'il ait un deuxième lieu, juste. Ah, tu me diras, à Grammar, c'est terrible aussi. Hein. Ok, ouais, peut-être qu'il faut rentrer Domino. Hein. Ça m'embête, mais. Déjà affronte un décapeste, on va faire comme pour la reine ou HS classique et laisser jouer entre eux. Mais soyez heureux d'affronter des décapestes. Je vois pas pourquoi les gens râlent quand ils affrontent des décapestes. Genre c'est.
Le deck est... Moi, je le trouve fun à affronter. Il est nul. Et... Enfin, je sais pas. Je comprends pas le... Je comprends pas le problème. Oh non, je joue contre un mauvais deck. Ah! Ça m'inspire la terreur. Merci, Oleg. Ah, il me faut un peu d'AOE, je pense. C'est quoi le concept du deck? On joue juste Excavate? C'est Excavate Gel. C'est très stylé. C'est un mix... C'est un mix démo DK. Qui joue sur la mécanique tourisme. J'essaye de survivre, mais c'est compliqué. Et si un incendie, c'est pas un problème de trop de pièges. J'ai fait deux games, j'ai dû brûler 10 cartes. Ah non, j'ai jamais eu le souci, tiens. Ok. Ah, bien visé. Oh! Oh, Jerry! Est-ce que Jerry peut clutch cette game? Est-ce que Jerry peut tenter de nous clutch cette game? Alors peut-être. MDR, mais c'est win. C'est très rigolo ça. Ah, au moins, ça a tenté de jouer des nouvelles cartes en face. Ce que je respecte. Oh, le serpent. Merci, monsieur le serpent.